petit coup d'épaule. Uppercut d'un boxeur, frappe d'un ballon de football, bouchée de pommes, bras levés sur le podium olympique. C'est un aspect du président chinois que vous n'avez probablement jamais vu. Ces 5 dernières années, la plupart des gens n'ont aperçu que le côté sérieux du président Xi Jinping. Mais il trouve aussi du temps dans son emploi du temps très chargé pour des moments plus légers. Il est le chef d'État de la Chine et aussi son diplomate en chef. Mais à l'occasion, il prend aussi le rôle d'un promoteur de la culture chinoise. Ses devoirs dépassent à l'occasion ceux d'un diplomate traditionnel.在我来荷兰之前呢，我和我的夫人啊，因为你的夫人米歇尔，我们见了面，我们进行了愉快的谈话。那么，在我和米歇尔女士临别的时候，她让我正式的向总统先生转达她对你的亲切问候。 De nombreux voyageurs rêvent de parcourir l'Australie tout entière. C'est ce qu'a accompli le président Xi en 2014 après plusieurs visites dans le pays. 1988年以来呢，我访问过除塔斯马尼亚州以外的5个州、2个地区。来之前不久啊，我和夫人呢收到了塔斯马尼亚16名可爱的小学生，他们给我来了一封信。 在信中特别提到了那个塔胡恩空中栈道、大峡谷，当然还有塔斯马尼亚恶魔，这让我充满了好奇。明天我将去塔斯马尼亚州，这样我将走遍澳大利亚所有的州，不知道有没有发一个证书给我。 L'amour pour le sport de Xi Jinping et surtout pour le football est bien connu en Chine. Des dignitaires étrangers ont vigoureusement promu la diplomatie du football. Xi Jinping s'est vu offrir 2 maillots de football argentin, dont le fameux numéro 10 porté par Maradona et Messi. En plus des jeux de ballon, des dignitaires étrangers prévoient aussi de diversifier les loisirs de Xi Jinping. En tant qu'amateur de sport, Xi Jinping côtoie souvent des athlètes. Ah.